Est-ce que vous connaissez App Gallery, les gars? Non, vous connaissez pas? Pourtant, c'est en plein milieu de votre écran là. Le seum? Moi, j'ai pas du tout le seum. J'adore App Gallery, moi. Vous connaissez App Gallery ou pas? Non, parce qu'en vrai, pour ceux qui ne connaissent pas App Gallery, hein, pour ceux et celles qui ne connaissent pas App Gallery, et je ne parle pas ici de vos dessous de bras, bien évidemment, c'est une application. Voilà, c'est un store, un petit peu comme le Google Play, une application mobile qui vous permet de télécharger vos applications diverses et variées, sauf qu'elle n'est pas du coup affiliée à Google, mais affiliée à Huawei. Voilà, donc j'avais fait une vidéo, je crois, sur YouTube, point d'exclamation Huawei. Point d'exclamation Huawei. Salut Chiro, ça va ou quoi? Donc je crois que j'avais fait cette vidéo à l'époque pour en gros vous montrer un peu le process de comment fonctionnent un peu tous les tenants et tous les aboutissants. Je vais mettre la campagne. Tous les tenants et tous les aboutissants des promotions AppGallery, comment ça fonctionne, etc., etc. Et ce qu'il faut savoir et comprendre, c'est que AppGallery, en fait, vous pouvez retrouver dessus le jeu Summoners War Sky Arena, mais également Summoners War Chronicles. Donc je le sais, vous êtes tous piqués par Chronicles, hein, ici. Donc désormais, vous pouvez retélécharger ces deux jeux depuis le store AppGallery. Comment faire? Je vous explique tout ça en détail. Alors ça, Alors c'est pour attendez. la campagne. Attendez, il faut que je vous montre ça quand même, hein. Voilà, la campagne Summoners War, donc qui est disponible sur l'AppGallery. Donc comme je vous ai dit, t'étais dispo? Bah ouais, mais on m'a pas invité, frérot. J'étais là, hein, mais personne m'a invité. Harry, ouais. Tu vas bien? Ça va super. Et toi, Shiro, cool. Donc j'étais en train de présenter la campagne AppGallery du moment. Donc, il vous suffit simplement de retélécharger bah, le jeu de comme toi, hein, Summoners War Sky Arena, sur votre smartphone ou même sur votre tablette ou même sur votre émulateur Android. Vous pouvez retélécharger l'application depuis le store Huawei App Gallery. Il vous suffit simplement de télécharger App Gallery. Une fois que vous avez téléchargé et installé App Gallery, vous disposez d'un nouveau store. Vous avez le store Google Play qui est installé en natif sur votre smartphone Android et vous aurez désormais le store de chez Huawei, hein, qui s'appelle App Gallery, sur lequel vous pouvez retélécharger vos applications. Voilà, donc vous pouvez télécharger Summoners War, les deux, hein, comme j'ai dit. Il n'y a pas que Sky Arena, il y a également Chronicles. Donc voilà, ces thématiques un peu pastèques et tout, c'est le truc de l'été. Vous pouvez farmer, récupérer des coupons de réduction. C'est le même concept, le même principe. C'est fonctionnel, c'est cool, ça marche bien. Forcément, plus vous mettez d'argent dans le jeu, plus ça devient intéressant. J'avais pas pensé que tu étais toujours dans ta kangrousse, Kappa. Mais oui, mais pour te voir accamé, je serais venu, mon ref. Mais bon, j'ai bien compris que vous préfériez rester entre vous, que vous ne vous mélangiez pas à la plèbe, j'avais bien compris ça. Donc voilà, App Gallery, Summoners War, vous pouvez télécharger et installer. Il y a toutes les informations complémentaires sur le serveur Discord, donc ça aussi c'est cool, si vous voulez le rejoindre, tout est dessus. Point d'exclamation campagne pour profiter de la campagne, sinon tout est directement dans l'application Huawei où vous allez pouvoir télécharger votre jeu pour récupérer des coupons pour payer vos packs moins chers, des ristournes. Et le plus intéressant, yo Saizen, et le plus intéressant, à mon sens, c'est le cashback. C'est-à-dire que quand vous dépenserez de l'argent in-game, pour ceux qui évidemment mettent de l'argent dans le jeu, hein, je ne m'adresse pas au free-to-play, voilà. Si vous êtes free-to-play, tant mieux, c'est génial, je le suis aussi, hein, personnellement. Pour ceux qui mettent de l'argent dans le jeu, c'est une manière un petit peu plus intelligente d'en mettre dans le jeu, puisque vous avez, en plus de payer vos packs, des ristournes, des coupons de réduction, et de surcroît, vous avez du cashback. Donc plus vous mettez d'argent dans le jeu, plus vous récupérez du cashback. Si par exemple, vous mettez, je sais pas moi, vous prenez un pack à 100 balles, et bien sur le pack à 100 balles, vous allez récupérer 10% de cashback, donc vous récupérez 10 balles. C'est pas 10 balles qui vous rendent en espèces, hein, c'est 10 balles qui sont créditées sur vos comptes, donc c'est même pas 10 euros en fait, c'est 10 points. Et les 10 points, vous pourrez les dépenser in-game comme si c'était de l'argent réel, quoi. C'est-à-dire que 1 point, c'est 1 euro. Donc si votre compte est crédité de 10 points, vous disposez donc d'un crédit de 10 euros. Voilà, tout simplement, sur lequel vous pouvez en plus additionner un coupon de réduction. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, les amis. Moi, de toute façon, j'avais juste la summon session d'Holmy Game à honorer. Et voilà, comme ça, je vous ai parlé un petit peu d'AppGallery. Ça, c'était pour la campagne. Alors, petite parenthèse très rapide. Hein. Ça, c'était pour la campagne. C'était pour la campagne Summoners War Sky Arena. Mais je sais qu'il y a également des joueurs de Chronicles. Voilà. Vous pouvez désormais re-télécharger Summoners War Chronicles depuis le store Huawei AppGallery. Vous avez les mêmes ristournes. C'est la même chose, le même principe, le même fonctionnement. Tout est sur le smartphone ou sur l'application. Je sais pas. Mumu, Nox, BlueStacks, LD Player, que sais-je. Sur vos émulateurs Android, évidemment, ce n'est pas compatible avec les smartphones de la pomme, puisqu'ils ne sont pas open source. Mais voilà, si vous avez des questions, les gars, je suis disponible pour répondre à tout le monde. Voili, voilou. J'ai dit voili, voilou en Big 2023, c'est la honte. Bah, du coup, on y va. Pour ceux qui viennent d'arriver, bah, bonsoir à tous. C'est la summon session de Holmy Game, il a gardé quelques trucs. Je suis en mode nostalgie, c'est pour ça qu'on met les sons du jeu et tout.
Donc voilà, comme j'ai dit, les petits codes là que je vous ai filés, eh ben, ben voilà, j'avais un peu la flemme de faire un giveaway pour ces quelques codes de vélo mystique. Et voilà, on se revoit au prochain Tour d'Europe, mais avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a une wishlist en particulier ou pas? Alors nous, on est sur le 70-70. Ah ouais, non, par contre, les sons du jeu, c'est chiant un peu, quoi. Après, quoique, normalement, c'est pas trop fort pour vous, c'est plus pour moi que c'est fort. Je vais baisser le son depuis mon casque. Ici non plus, mais du skill up Icaro pour un compte bébé, c'est le plus important. Ouais, voilà, c'est ça qui est cool. Non, pas vraiment, pas de dupe, c'est tout, s'il te plaît. Ah bah, frérot, on va essayer, on va essayer. Donc, pas vraiment de wishlist, juste pas de dupe. Est-ce qu'il y a encore, bon, je pense pas, mais est-ce qu'il y a encore des, je sais pas, des catenates que tu convoites éventuellement? Verde Hill, ok, let's go. Voilà tout le monde, salut Pika, ça va? Tu vas bien, frérot? Pika, tu tombes bien! Fallait que je te parle d'un truc super important. Non, pas du tout, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Hein. De toute façon, arriver à ce niveau de jeu, en vrai, les catenates, on s'en fiche, quoi. Ah, la petite gargouille. Combien de nat 5? Qui c'est qui a fait cette prédiction? C'est forcément Paulin! Comment tu veux que les gens devinent combien il y a nat 5 s'ils savent même pas il y a combien de vélins? Elle est pas viable ta truc là. C'est moi, bah oui c'est forcément toi. Elle est pas viable ta prédiction de point de chaîne. Après vous pouvez voter hein, en mode surprise du chef quoi. Elle l'est. Bon bah voilà les gars, c'est Paulin qui décide. Il a mis un petit truc, voilà. Voilà c'est au feeling les gars. C'est au feeling. Combien de nat 5? Bah surprise du chef, hein. Allez-y, good luck. Bonsoir Casio, bonsoir Ikta. Putain, c'est dommage, tu viens d'arriver maintenant. Je viens juste de lâcher des giveaways là. J'ai envoyé des codes pour avoir 5 vélins mystiques. Ouais, je sais que t'as le seum, Ikta. 5 vélins mystiques, ouais, je sais que ça aurait pu te mettre bien, mais bon. Dégradé giga fresh. Ah, t'étais pas venu sur le live hier? Je suis comme ça déjà depuis un jour ou deux là, je crois. Ouais, j'en ai. En fait, la casquette, il fait un peu chaud, quoi. Je vais tout perdre. À quoi il joue, Géor? Non, je suis pas passé. Qu'est-ce que t'avais de mieux à foutre, Ikta? Excuse-moi. Hein. 9 minutes pour la prédit, je vais attendre. Ah non mais, Paulin, dans 9 minutes, elle est finie la Summon. 9 minutes! Ouais, je crois qu'on va pouvoir la cancel. Sale! Oh, déjà un nat 5. Déjà un nat 5. T'es virulent, ouais. Et toi, t'es gênant à pas être sur mes lives. Ok, un nat 5, tu l'avais ou pas? J'ai besoin de savoir si tu l'avais. Oh, nice ça. Ok, il avait pas Pumbaek. Eh bien, écoute, GG well play hein, de Pumbalek. Je peux la couper avant. Eh, il fait trop l'ancien, Paulin. Je suis sub, sale chieng. Mais ouais, il n'y a aucun rapport, mais bon. Ouais, t'avais juste besoin de le mentionner, de le préciser. Il n'y a pas de souci, Ricta. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Je sais pas si on a un McDo mantique sur cette Summon, mais en tout cas, le cœur y est, quoi. Les doigts magiques, salut Altaïr, ça va mon frérot? On va essayer, on va essayer. D'ailleurs, les gars, c'est pas déjà fait pour l'exclamation event sur le chat Twitch. Voilà, j'ai encore très peu communiqué à ce sujet. Restez un petit peu sur le live après la summon et tout. Je vais essayer de mettre en place des donation goals. Ce week-end, on va faire un event. Il y a peut-être VK qui vous en a parlé. On y va ensemble, lui et moi, main dans la main. Un petit event caritatif là entre streamers. Voilà, c'est une récolte de. Une récolte de fonds. Make a wish, exactement. Make a wish. Cancel l'a prédit. Lul. Pourquoi, Géor, tu. Hein? Plus qu'à drop Air Tate pour Pumbaek. Ça marche pas. Exclamation event. Si, c'est toi qui l'as mal écrit. Attends, quoi? Ah ouais, mais si je suis en caps lock aussi, normal que ça marche pas. Ah ouais, mais si je sais pas écrire aussi, normal que ça marche pas. Et c'est trop grave! Voilà! Et Bowser, il est où? Attendez, attendez, j'invoque Bowser là, bougez pas. Ah bah bravo! Ah bah je pense que c'est Stream Element qui est cassé là. Hein. C'est pas de ma faute! De toute façon, point d'exclamation event, ça dit quoi? Ça dit juste ce vendredi, ce samedi, ce dimanche, hein, dans le week-end du 9 au 11 juin 2023, on fait un marathon. Un marathon de 3 jours, hein, full streaming, full gaming. Pour une association. Voilà. C'est une récolte de fonds, les amis. Nous avons besoin de votre présence, mais surtout de vos pécores, en fait. Ah, yes, les bottes au chômage. Ouais, mais c'est pas grave. La petite commande disait retrouver Casio ce week-end à l'eSpot à Paris. Voilà.
Il y aura évidemment des donation goals qui seront prévus et il y aura également des giveaways pour les gens de ma communauté. Voilà. Sachez-le. Les gens de ma communauté, hein, pas des autres communautés. Hein. Faut pas rêver non plus. On est gentil, mais faut pas pousser, quoi. Ok, bon, pour l'instant, un seul vélin, un seul 5 nat et c'est Poumbalek. J'avoue que c'est pas fameux, fameux. On va essayer de goûter mieux. 10 000 euros de dons, tu te rases la tête. Non, je fais pas de trucs comme ça parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, Ricta, c'est que dans l'endroit dans lequel nous serons, dans l'endroit dans lequel nous serons pseudo confinés, quoi, c'est un lieu qu'ils aimeraient garder avec un environnement relativement sain et tout. Donc non, les bails de se teindre les cheveux, se teindre la barbe, se raser le crâne et tout, ça pourra pas se faire sur place le jour J, parce qu'en fait, ça pourrait porter préjudice potentiellement au matériel sur place, etc., etc. Oh! Le deuxième nat 5. Trop bien, Pumbaek. Oui, enfin, trop bien, c'est très relatif. Hein. Nora, c'est trop bien. Et ça, pour le coup, c'est cool. Pouah, et ouais, deux nat 5. Putain, j'avoue que vu la faible quantité de vélin, j'y croyais pas trop, j'admets. Oh, la petite Nora, elle met bien, ouais. Si ça peut se faire, après, c'est aussi bien. Bah non. Non, je vais pas me raser les cheveux, les gars. Ça fait plus d'un an que je me suis pas coupé les cheveux. Enfin, en tout cas, ceux du haut, quoi. Ceux du bas. En fait, c'est bizarre. Je sais même pas pourquoi j'ai délimité comme ça, la vérité. J'en ai aucune foutue idée. Je sais même pas pourquoi j'ai cette coupe. C'est juste qu'à la base. À la base, j'aime bien avoir. Ah, c'est bizarre à expliquer, mais les mecs vont comprendre. Bah, même les femmes, tu me diras, ça change rien. Mais tu sais, j'aime pas avoir des cheveux au niveau des oreilles. Je trouve ça désagréable comme sensation. J'aime pas avoir des cheveux au niveau des oreilles. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'aime bien avoir les cheveux très courts au niveau des oreilles. Mais ça me dérange pas d'avoir un peu de longueur parce que je trouve ça cool, quoi. Casio, le Z-Event de Wish. Ah, t'es un gros bâtard. T'es un gros chien, wesh. Ça se fait pas, ça se fait pas, ça se fait grave pas, Psytech. Oh là là, tu m'as vexé! Oh, tu m'as vexé! Oh, j'espère que tu feras des dons pour t'excuser carrément. Pas sur ma chaîne Twitch, hein, le jour de l'event, hein, pour renflouer les caisses de la sauce. Le transcendance compte dans les oreilles. Quoi? Ah non, putain, j'ai lu une diagonale. Le transcendance compte dans la veine, ça, je sais pas, faut voir avec Paulin. T'aurais pu juste dégrader derrière les oreilles. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que. Je sais pas, frère, je sais pas, J'en sais rien, moi, les gars, vous me parlez de trucs, là, quand même. Prédit, arrobas Paulin. Pas les trans, mais tout le reste, ouais. Ouais, les gars, c'est Paulin qui décide, hein. Moi, je... Eh, oh. Ok, on continue, on enchaîne. On a... C'est quoi, ça, les vélins spéciales 9 ans? J'ai trop envie de les invoquer tout de suite. On a un transcendance, ici, présentement, des vélins légendaires. Je vais quand même faire les vélins de 9 ans. Désolé, BG. Mais tu peux skip un peu, s'il te plaît? Ouais, je pense que t'es pressé. Vas-y, on va mettre la seconde. Y a pas de problème. On va mettre la seconde, mon ref. Allez, on repart en x10, on repart en skip. Pour l'instant, il y en a deux. Pour l'instant, il y a Pumbaek et Nora. C'est vrai qu'on avait dit 21 h à la summon, puis je l'ai commencé quasiment à 22 h. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. On va vite pouvoir revenir sur mon compte, faire le prédateur des dimensions, faire plein de trucs qui sont cool. Oh! Ah, ça m'a bait de ouf! Il y en a un en particulier que tu veux ou t'en as rien à foutre? C'est vrai que les vélins spéciales 9 ans, c'est triple béné élémentaire. Hein, un de chaque élément. Voilà. T'inquiète, on est en chill, ouais. NP. Il y en a un que. Bah, lui, c'est de la fusion, lui aussi. Elle, non, je crois pas. Je te laisse le choix, ok. Bah, je vais de toute façon essayer de taper dans des 4 nattes qui sont, entre guillemets, pas free to play, quoi. C'est-à-dire qu'on va éviter Joker fusion, ouais, c'est-à-dire qu'on va éviter. Ah non, c'est le Joker feu qui est fusion, pas le Joker eau. Bon, c'est pas grave, de quoi qu'il advienne, il a tous les 4 nattes du jeu, et il m'avait bien spécifié qu'il s'en fichait des 4 nattes, puisqu'il les a tous, donc osef quoi. Voilà, si j'ai le truc, la Bene qui proc, voilà, j'irai prendre les nouveaux 4 nattes, voilà, genre, voilà, genre, ça par exemple, c'est du nouveau. Même s'il n'avait pas le petit truc new, je l'aurais pris quand même, je suppose que son galion est déjà skill max depuis 8 ans, donc. Donc voilà, Casio, et si vraiment t'es pas obligé de garder mes T2, tu peux les donner à l'association. Wow, et quoi? Allô? Je prends les mobs les plus récents, hein. Je crois que c'est plus récent ça. Ça du skill up. Non, Psytech, c'est pas ce qu'on avait convenu. Ouais, ça c'est fusion, je vais prendre ça. Je vais vraiment prendre le truc le plus, tu vois. Le plus loin, quoi. Le plus loin de ce qui est dispo.
Nickel, j'ai la Virtuose Dark en plus. Oh bah nickel, ah bah tiens, elle non plus tu l'avais pas. Alors vous le voyez pas à cause de la cam. Paf, mais elle est new, elle aussi. Elle est new. On récupère deux Damoté. C'est vraiment cool qu'ils aient fait ce système d'invocation en x10. Franchement, on s'emmerde moins qu'avant pendant les summons. Hein. Y a pas à dire, hein. Y a vraiment pas à dire. Hein. Pff, ouais, bon, là, je vais prendre une chakram parce que bon, je cache pas que les deux autres là, ils sont un peu. Ils sont un peu cringe quoi. Ils sont un peu cringe. Ah, je te jure, la nostalgie hein, des sons. Ouf! Ouf! Ou alors là, frérot. Alors là, frérot, je sais que d'habitude sur les 4 nats, c'est moi qui décide. Mais là, c'est beau, là. Là, c'est beau. Bon, je pense qu'il va dire Rika quand même. Mais waouh! Waouh, le luxe de la triple BD, quoi. Si vraiment jouer sur ce qui a été convenu, je t'attends toujours pour ton vol en paraporte. Ah, mais je te promets, Psadic, que j'ai pas oublié et que j'y pense de zinzin, quoi. Non, le show n'est pas new. Le show est dupe de toute évidence. Paf! Et je pense que le mi-game me répond pas parce qu'il est déjà en train d'hésiter. Rika, en vrai, ouais, voilà, il hésitait, je pense, aussi de son côté. Parce que c'est vrai que ça, c'est vraiment broken. Hein. Ça, c'est vraiment broken aussi, mais les deux se valent, quoi. Les deux se valent, elles sont très différentes, elles sont très cool, les deux. Rika, bah, je crois qu'on vient de taper le troisième Nat 5 de cette summon. Rika, Everyday. Mmh, en vrai, ça dépend. Everyday, oui, mais. Oui, mais non, quoi. Oui, mais non. Ouais, tout est naze, là. Ouais, tout est naze. Ah, pardon. J'ai fait bugger mon format d'image. Ok. D'ailleurs, je sais pas, tout le monde m'a répondu. Ouais, Jojo, il m'a dit qu'il avait pas de... Jojo, il m'a dit qu'il avait pas de Nat 5. Alteria non plus, Ira non plus. Il m'a répondu ou pas, Kada? Kada, tu m'as répondu? Ouais, en DM, il m'a dit que c'était bon pour lui. Et Captain aussi, elle m'a dit que c'était bon. Ouais, c'est bon. Tout est good pour tout le monde. On retrouve bien notre compte, donc ça va. Bonsoir Kamzio, salut Matisme, ça va ou quoi mon ref cool? Ah oui, monsieur le dégradé. Ouais, c'est ce qui se passe quand j'enlève ma casquette, ça. Mon gros crâne. J'ai la tête solide, t'inquiète pas. 5 ou plus pour troll, je pensais qu'il le ferait potentiellement vraiment moi, mais le voir égaler quelqu'un, ça fait toujours plaisir. Oui, non, c'est clair. Après, j'avoue que sur la prédit, j'ai arrêté de compter. Hein. Après la Rika, là, j'ai arrêté de compter. Enfin, je dis ça comme s'il y en avait eu d'autres entre-temps, tu sais. Ouais, on va prendre ça. On va prendre la nouveauté. On va prendre les nouveaux trucs, quoi. Ok. Pour ma part, j'ai quoi un peu, là, le temps de finir de skill up certains mobs. Ah non, mais t'es vraiment pas obligé de les ouvrir, hein. Y a vraiment pas de soucis. Ouais, on va prendre ça. Putain, la musique du jeu, là. Je l'ai écrit dans le titre du live, hein. On est en mode nostalgie, là, ok. On est en mode nostalgie, les bougres. J'avoue que tout est naze, là. Le raid d'étincelle est dingue. Le raid d'étincelle est complètement dingue. Ça, il n'y a pas à dire. Hein. Ça, il n'y a strictement pas à dire. Allez, les vélins légendaires spécial 9 ans. Je sais même pas ce que c'est comme type de format de vélin. Je les découvre en même temps que vous, là. C'est bien ce qui me semblait. Hein. C'est que c'était des légendaires, mais en triple bail, quoi. On va prendre du robot, quand même. Le robot, c'est cool à skill up et tout. C'est chiant, en plus. Parce qu'ils sont tous forts, les robots, plus ou moins. Donc ils font un max de skill-up, c'est vraiment chouette. Oh! Bon alors là, on est sur un triple new, les gars. On est sur un triple new. Le singe haut, j'adore. Princesse Pudding, je sais pas si c'est la plus intéressante des trois. Dominique, j'aime beaucoup aussi. Pouah, let's go. Là, ici, on a l'embarras du choix, finalement. Finalement, on a l'embarras du choix. Hein. Tout est nouveau. Tout est new, tout est prenable. J'aime bien Dominique, moi. Le singe ou Dominique, ouais, je suis pareil. Hein. Je l'aime bien celui-là. Hein. Je l'aime bien celui-là aussi, tu vois. Gauche ou droite? Ah, frérot, les deux se valent. C'est trop dur. J'aime bien les deux, moi. Franchement, les deux me choqueraient pas. Hein. Si tu prends ça, ça me choque pas. Si tu prends ça, ça me choque pas. Ça, j'avoue, ça me choquerait un peu, tu vois, parce qu'il y a plus fort, je pense. Allez, à droite, s'il te plaît, BG. Ok, c'est bien. Hein. Dominique, c'est cool. Hein. Joue à pile ou face. Hein. Ouais, les deux sont bien. Hein. En vrai, Dominique, je pense, est un peu plus utile. J'aurais tendance à penser ça aussi. Après, ce qui est cool avec le roi singe haut, c'est que lui, j'ai l'impression qu'il est fort tout le temps, tu vois. J'ai l'impression qu'il est fort tout le temps. L'impression que le singe, c'est une valeur sûre, tu vois. Il se fait ni up, ni nerf, il se la coule douce. Il est juste fort sur le papier, il est cool. Dominique, c'est broken quand même. Hein. Pas de regret, t'es sûr, all mi-game? On prend le maître d'armes. Dominique est cool, hein. Franchement, est cool. Franchement, très très cool.
On m'a pas dit le nombre de vélins, la prédit aurait été une arnaque. Bouh, on est sûr, chef. Ok, bah écoute, c'est parti. Je sais plus à combien on en est. En termes de vélin mystique, je ne sais plus. Allez, morceau de légendaire, il n'y en avait qu'un seul. Je dirais le singe, mais bon, Dominique n'est clairement pas un mauvais choix. Ouais, voilà. Je pense que les deux sont cool. Voilà. 4 nat 5, ouais, j'avoue que j'ai arrêté de compter. Bon, allez, go se faire le morceau de transcendance là. Et puis ensuite, on finira par les vélins d'invocation ténèbres et lumière, les amis. Striker feu, tu l'avais ou pas, mon ref? 5 étoiles natifs, extrêmement rares. Lui, il compte pas. Ok, Paulin, c'est toi qui gères, frérot. Hello, hey, salut, Oumier, ça va ou quoi? Tu vas bien? Cool. Comment vas-tu? Ah, mon casque s'est éteint, trop bizarre. C'est un dupe, BG. Ok, tu veux que j'en fasse quoi? 3 LD de plus? Tu veux que j'en fasse 3 LD de plus? Est-ce que mon bot marche toujours ou pas là? Il marche plus hein. Ah c'est bon, le bot est revenu! Le bot est revenu, KO! Tu peux revenir aussi, 3 LD s'il te plaît. Ok. 3 LD, on va les crafter et puis on va les invoquer et finir la summon là-dessus. Si je trouve ma foi, toutefois, l'accès au crafting, l'accès au bonheur en fait. Mais MDR, je suis pas parti. Mais non, mais pas toi, c'est le bot qui est parti, mais il est revenu. Donc voilà, donc, comme j'ai dit ce week-end, vous pourrez me retrouver les amis à l'eSpot, hein, c'est à Paris. Pour ceux qui ne connaissent pas l'eSpot, c'est un petit endroit voilà, où il y a plein d'ordinateurs quoi, et une connexion Internet. Donc voilà, on sera plusieurs dizaines de streamers, je pense une quarantaine au total, à streamer le temps d'un marathon. Un marathon caritatif, hein, c'est une levée de fonds les amis pour une association. Je vous en dirai plus bientôt. Je vais communiquer sur les réseaux sociaux. Hein. N'hésitez pas à me follow sur Twitter également. Le lien est dans la description. MDR. vas-y, j'ai récupéré 3 LD. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus? Ouais, voilà. Donc il y aura des giveaways. Là, ce soir, on finit la summon session et puis on se prépare une petite donation goal, je pense, entre deux games comme ça de Street Fighter 6, hein, bien sûr. Et voilà, ouais, super longtemps, bon j'y vais, des bisous, cœur sur vous et bon live. Ouais, Oumier, faut qu'on se voit ce week-end. Je sais pas pourquoi ce week-end, mais faut qu'on se voit. Ah ouais, on peut foutre un nat 5 new? Intéressant. Mais non, il l'avait déjà. Il l'avait déjà, il l'avait déjà, Ira. Sinon, j'aurais pas pu le foutre, justement. Allez, c'est y part. Il nous reste quelques vélins Dark and Light. Inferno Dark. Vagabond Light. Relis-moi, justement. Hein? Ah, on ne peut plus foudre. Oui, autant pour moi, j'ai mal lu. Hello, salut Thor, ça va quoi mon gars? Non, on ne peut plus, on ne peut plus. Justement, maintenant, ils sont grisés, en fait. Ils sont grisés. Bon, il y a une petite vingtaine de vélins Dark and Light, donc normalement, on n'est pas dans les raids, mais on devrait pouvoir espérer une petite étincelle, voilà. Et pour ceux éventuellement qui viennent d'arriver comme Thor, sachez qu'on s'est remis la musique du jeu pour évidemment garder cette petite nostalgie, quoi. Parce qu'on aime ça, vive la nostalgie. Nickel et toi, bro, tu dates. C'est toi qui dates. Moi, je suis là tous les jours, hein. C'est vous qui datez. On est là tous les soirs, nous. Hein. Tous les soirs. Allez, franchement, eh, franchement, une étincelle. Une étincelle, c'est des raids sur 20 vélins, c'est des raids. Non, ça me dégoûte. Eh, c'est terrible, hein. C'est trop dur, c'est trop dur. C'est trop dur, frérot. C'est trop dur, mon gars. Ah, je suis déso, hein. Ah, les Dark and Light, c'est têtu, hein. Les Dark and Light, c'est très têtu, hein. Très, très têtu, hein. Eh bien, on est déçus. On est très déçus. C'était Casio! Ciao, ciao!